Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, date internationale de la journée des droits de la femme. On aimerait commencer par parler des mères qui ont le courage de dénoncer les violences exercées par leur conjoint ou leur ex-conjoint sur elles ou sur leurs enfants. Le courage de dénoncer parce qu'elles se heurtent à la misogynie qui infuse l'ensemble des institutions, à commencer par celles censées les protéger. Grâce à la parole qui se libère, nous rencontrons de plus en plus de femmes victimes de violences conjugales qui viennent déposer bagages, enfants et souffrances dans nos services. Elles ont le courage de partir, mais sont rapidement bloquées par le manque de moyens mis en place pour les aider réellement. Pas de place en hébergement, mission de la combattante pour déposer plainte, mesure d'éloignement du conjoint violent rarement effective, lenteur des institutions qui permettent d'ouvrir leurs propres droits et donc d'avoir un moyen de subsistance. La précarité économique, la difficulté à trouver un logement et à le conserver, la difficulté à obtenir un titre de séjour, sont autant de facteurs qui exposent davantage aux violences, dans la famille et à l'extérieur de celle-ci. Les femmes sont victimes de violences sexistes, c'est ça le patriarcat. De violences économiques, c'est ça le patriarcat. De violences sociales et institutionnelles, c'est ça le patriarcat. Liées à l'intime, parce que les violences, les humiliations et les injonctions que subissent les femmes, les hommes trans et les personnes non binaires dans leur intimité sont directement liées aux inégalités politiques, économiques et sociales qu'on combat aujourd'hui. Chère justice, non seulement vous me rendez coupable, mais en plus vous les légitimez dans les faits que leurs actes n'étaient pas graves. Ils peuvent continuer leur vie en toute impunité et continuer à faire vivre ça à d'autres femmes. Pour être une bonne victime de viol, il faut avoir été violée dans une ruelle par des inconnus et emporter les stigmates corporels. La sociologue Véronique Le Goaziou a analysé des cas qui ont été jugés aux assises et montre que les viols commis par des inconnus y sont surreprésentés. Quand les viols sont des conjoints, il est rarissime que l'affaire passe devant une cour d'assises. Enfin, le profil du violeur joue. S'il est d'origine populaire, non blanc, l'enquête a plus de chances d'être approfondie. Ces lois et ces institutions maintiennent une société où les plus marginalisés sont toujours plus réprimés, exploités et tués. Par conséquent, les femmes exilées subissent en première ligne le racisme et les violences sexistes et sexuelles que nous dénonçons en ce jour du 8 mars. Ras-le-bol de ces lois pensées, écrites et votées majoritairement par des hommes blancs et bourgeois. C'est pourquoi nous devons défendre et étendre nos droits, tous nos droits, pour une société égalitaire qui est la condition indispensable de notre émancipation, de notre bonheur individuel et collectif. Révoltons-nous, ne nous laissons pas faire. La réforme des retraites est une énorme régression sociale. Nous sommes le 8 mars, mais nous n'avons pas besoin de cette excuse pour défendre les femmes.